pour installer le nouveau site de compostage de l'école Cascade, qui comprendra 3 bacs qu'on aura installés aujourd'hui et qui permettra de composter les déchets de la cantine. Une partie ira aux poules et une partie ira dans le compostage. Et cette gestion sera réalisée avec des référents qui sont déjà identifiés sur le site et qui seront formés pour connaître le fonctionnement du site et savoir comment gérer au mieux l'ensemble et surtout garder une autonomie dans le projet. En fait, la matière sèche, quand elle est mal stockée ou qu'elle est stockée, enfin voilà, dans certaines conditions, en fait, du coup, elle commence à fermenter. Je suis là aujourd'hui pour faire la formation Les bons gestes du compost et former l'ensemble du personnel aujourd'hui présent sur la structure aux techniques de compostage. On va aller vider les déchets du jour. On étale les terres, on a vidé les seaux, donc du coup, on étale et on recouvre avec du broyeur. On a créé un début de millefeuille. Demain, mardi, on rebelote, on vient vider, on a une deuxième couche. Et ben jeudi, peut-être qu'il va falloir, mais c'est n'importe quoi pour l'instant, venir casser ce millefeuille, mélanger cette accumulation de couches. Nous ce matin pour récompenser une jeune élève de votre groupe scolaire qui avait été distinguée au niveau national par le projet Wati. Vous avez dû voir une personne qui vient vous voir régulièrement pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire de bien pour la planète. L'objectif, c'est bien effectivement de travailler sur le gaspillage alimentaire. J'allais dire que ça s'inscrit parfaitement à la fois dans nos orientations politiques, ça s'inscrit dans le projet pédagogique du périscolaire, qui a 2 axes, l'environnement et la citoyenneté. Voilà. Et puis ça s'inscrit aussi dans une école qui est labellisée E3D, école qui est en démarche de développement durable. Le but de ce compost, c'est bien sûr de recycler, mais votre premier objectif à vous, c'est de ne pas gaspiller. En tout cas, merci à tous les partenaires qui ont participé à ce projet, c'est vraiment super. Ouais, super, on peut applaudir. Donc le mieux, c'est de terminer son assiette et puis surtout de ne pas demander quand on n'aime pas.